Salut chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier. Vous allez constater que nous sommes simplement en train de traquer cet avion qu'a pris le général Jean-Marie Michel Mokoko, ce fameux avion dont on nous dit que c'est un avion turc. L'immatriculation de l'avion, vous le voyez là. On va essayer simplement d'approcher. Ça, c'est l'immatriculation de l'avion. Donc on s'excuse, TC-RSB, hein, c'est l'immatriculation de l'avion. Bon, vous le voyez, on vous donne l'itinéraire clairement. L'avion a été vu pour la dernière fois très proche de Nairobi. Nous sommes bien dans la journée de jeudi, le 30 juillet 2020, vers donc 6 h du soir, donc 19 h 29 p.m., l'heure de l'Est. Vous voyez, chers amis. Et pour la toute dernière fois, hein, pour la toute dernière fois, on l'a encore vu autour de Kenya, vers, on a dit, Loyangalani. Loyangalani, toujours au Kenya. Hein. Vous voyez, chers amis, on l'a vu autour de Nairobi à 18 h 29 minutes. L'heure de l'Est, ce jeudi 30 juin et 30 juillet 2020. Et on l'a encore vu, toujours dans le Kenya, autour peut-être d'une ville hein, qu'on a ville, Loyangalani, Kenya, aujourd'hui même, à 18 h 54 minutes PM, l'heure de l'Est. Et puis depuis ce temps, il n'y a plus d'informations sur ce vol. Plus d'informations. Vous allez encore aller plus bas, comme on venait de vous le dire. Donc c'est sûr que ça atterrit, parce qu'ici on dit take-off, donc take-off veut dire le décollage. Ça avait décollé à Nairobi, comme nous venons de dire, à 6 h, 18 h 29 minutes PM. Take-off, c'est le décollage. Et ça atterrit au Kenya, éventuellement. Au niveau de cette ville ici que nous appelons Loyangalani, toujours au Kenya, ça atterrit autour de 18 h, hein, vous le voyez ici, 18 h 54 minutes du matin, 18 h du soir, pardon, 18 h 54 minutes. Et là, nous sommes toujours au Kenya. Et depuis ce temps, il n'y a aucune autre information sur ce vol, hein, comme vous le voyez ici. Il n'y a aucune autre information sur ce vol. Comme vous le voyez, ça, c'est le trajet. Ça a décollé de Nairobi, éventuellement à 18 h 29 minutes d'après-midi. Et ça a atterri très proche d'une ville que nous appelons Loyangalani, Yualagalani au Kenya, autour de 18 h 54 minutes du soir. Et depuis, il n'y a plus d'informations sur ce vol. Bon, en bas ici, on vous montre simplement. La vitesse, l'altitude, ainsi de suite. Voyez. Et depuis ce temps, il n'y a plus une autre information par rapport à ce vol. Mais c'est quoi la conclusion, chers amis? Nous pensons que la conclusion ici, c'est le régime de Sassou a demandé certainement aux pilotes hein, d'arrêter le trafic. Comment on appelle? D'arrêter le GPS de l'avion pour qu'on ne puisse pas suivre. Bon, est-ce qu'on peut penser que c'est à l'avantage du général Mokoko ou c'est à l'avantage de Sassou? Personne ne sait. Parce que quand l'avion est parti de Brazza, le système GPS fonctionnait. Arrivé au Kenya, ça fonctionnait. Et quand c'est arrivé au deuxième point de décollage de Kenya, il n'y a plus de traces. Il n'y a plus de traces. L'avion est parti où? Bon, pour le moment, on ne connaît pas. Les Turcs peuvent nous dire, Sassou peut nous dire, pourquoi ils ont demandé qu'on arrête le GPS de l'avion? Personne ne sait. Est-ce que l'avion a été détourné pour une autre direction? Personne ne connaît. Mais en tout cas, nous nous sommes en train de traquer, comme vous le voyez. Hein? L'avion était bien là,
au Kenya, à Nairobi, et puis à Loyangalani, au Kenya. Comme vous le montre ce map, comme on dit, vous voyez le tracé, ici c'est à Nairobi, et puis là vous avez à Loyangalani. Donc ici, à Nairobi, l'avion a décollé à Nairobi, pardon, ça a décollé à 18h29 minutes et ça a atterri à 18h54 à Loyangalani. Et puis, à partir de Loyangalani, on n'a plus de traces de cet avion selon le système que nous sommes en train d'utiliser ici. Selon le système que nous sommes en train d'utiliser ici. Voilà, selon éventuellement Flight Airway, on n'a plus de traces. On a juste la courbe flat ici, la courbe flat qui montre que ça a décollé à Nairobi, comme nous venons de le dire, à 6h29 p.m., donc 18h29, et c'est arrivé toujours au Kenya, ici comme vous le voyez. À Loyangalani, toujours au Kenya, à 18h54 minutes, donc 6h54 d'après-midi PM, l'heure de l'Est. Et depuis ce temps, aucune trace de cet avion. Voyez, chers amis, aucune trace. Nous sommes en train de traquer, on veut même savoir qui a affrété cet avion. En tout cas, ça nous dit rien. Hein? Vous voyez même ici, quand on dit owner, oh bon, oubliez les publicités là. Vous voyez ici, owner, donc le propriétaire, en non-owner. Donc on peut simplement dire que ce n'est même pas aussi un avion militaire turc, parce qu'un avion militaire turc, et ça devait être peint avec des couleurs militaires. Donc l'owner ici n'est pas connu. On va aller donc cliquer sur Registration pour aller essayer de voir qui est le propriétaire de cet avion. Vous voyez ici Registration. On a écrit ici, comme vous le voyez, No registration information for TC dash RSB at this time. Il n'y a pas de registration. Donc il n'y a pas de numéro d'enregistrement. Donc nous ne connaissons même pas le propriétaire. Vous voyez même la couleur, c'est bien la couleur que vous avez. Donc, il n'y a aucune information supplémentaire sur cet avion. Le TC, le numéro, donc l'immatriculation TC-RSB. Flight History, on peut aller encore cliquer. On va cliquer dans Flight History. Flight History, vous voyez l'histoire de cet avion, les vols, les logs, tout ça, les informations. Le tout dernier vol, la toute dernière information de cet avion. Si vous voyez l'histoire de cet avion, hein, chers amis, hein, vous constatez que c'est un avion qui fait beaucoup plus l'Arabie Saoudite, vous voyez Turquie, Istanbul, à Turquie et tout ça. Ici, vous voyez aussi Georgia, Azerbaïdjan, vous voyez ici Oman, Arabie Saoudite, Dubaï, Arabie Saoudite, Nairobi, Kenya, Jomo Kenyatta, et ça, c'était le 30. Donc, éventuellement aujourd'hui, hein, Jomo Kenyatta, c'est aujourd'hui le vol d'aujourd'hui. Et là encore, ce Nairobi à Loyangalani, c'est encore aujourd'hui, donc c'est le vol d'aujourd'hui. Mais essayons de regarder, on va essayer de voir un peu de voir un peu le log de cet avion-là, ce que nous appelons le cahier de vol. Le mois de juillet, hein, ce même avion a fait la Fédération de Russie. Hein, à Istanbul, Turquie. Le 19, ça fait Istanbul à Fédération de Russie. Le 19 encore, ça fait la Fédération de Russie, Turquie, Istanbul. Le 20, ça a déjà fait le même trajet, quasiment Istanbul, Albanie. Le 20, ça fait Albanie, Turquie, donc un aller-retour certainement. Istanbul, Turquie. Nous voyons ici Kayseri, Istanbul, Istanbul en Turquie. On voit encore Bécharès-Orel. Ça, c'est quel pays? Je connais même pas.
Beraïch-Voreil, voilà, toujours Nir, Istanbul, Turquie, Fédération Russie. Donc c'est un avion qui fait beaucoup plus Russie-Istanbul. J'essaie de regarder Roumanie, Turquie, donc la Roumanie-Turquie, ça c'est le cahier de vol de cet avion. Je suis encore en train de traquer, toujours Roumanie, Turquie. Là je suis là. Là nous sommes en Turquie. Là c'est parti Istanbul, Albania, qui est Tirana en Albanie. Et puis voilà, c'est la même chose. Là c'est encore parti Istanbul, Turquie, vers Macédoine. Near Macedonia, voilà, donc on traque le carnet de vol de cet avion. Toujours nous sommes dans le secteur de Turquie, et là nous voyons Istanbul, Nuremberg en Allemagne, hein, ça c'est sans le cahier. Là nous avons Istanbul, Turquie, Pantelleria, Italie. Nous voyons encore. Lampedusa, Italie, à Turquie. Là, nous sommes encore à Turquie. Turquie. Georgia, Azerbaïdjan. Donc, vous voyez que c'est vraiment un avion d'affaires. Ce n'est pas un avion médicalisé, hein, chers amis. Ce n'est pas un avion médicalisé. Donc, le général a été embarqué dans un avion d'affaires. Pas un avion médicalisé, chers amis. C'est un avion d'affaires, ce jet-là, qui est venu le prendre là. Vous voyez ici, Turquie, Macédonia. Mais vraiment, Sassou, c'est un malade mental, hein, chers amis. Je vous le dis là. Ce n'est pas un avion médicalisé, là. Ce type-là, ça ne va pas du tout, là. Hein? C'est un avion d'affaires. Vous voyez les voyages qu'on fait. Vous voyez les dates, là. Hein? C'est à la queue-leu. C'est un avion quasiment qui ne se repose pas. Qui fait des navettes partout. Istanbul, Turquie, Georgia, Azerbaïdjan. Là, vous le voyez, Omar, Oman. Muscat, hein, ça c'est à Muscat, c'est la ville, le pays, je sais pas si Omar, Arabie Saoudite, Fujairah, Riyad, Arabie Saoudite, Dubaï, Kenya, Nairobi, c'est seulement aujourd'hui que ce type de vol est venu en Afrique pour venir chercher le général Jean-Marie Michel Moko. Donc vous voyez que ça c'est son carnet de vol, le carnet de vol là, à partir du 17 juillet jusqu'au 29 juillet. Mais regardez le nombre de vols de rotation, tous les pays que les villes où cet avion-là partent. On peut encore aller voir More History. On va lire. C'est incroyable, chers amis. Incroyable. Incroyable. Incroyable, chers amis. Hein? Incroyable, chers amis. Non, mais vous avez vu le carnet de vol de cet avion, chers amis. C'est. C'est un avion d'affaires, un avion qui part pour le business. Hein, comme déjà vous allez voir, ça c'est au mois de juillet, plus de, on peut même dire combien, 20 voyages, à partir du 17 juillet jusqu'à aujourd'hui, plus de 20 voyages, cet avion-là. À partir du 17 juillet, donc le mois-là, jusqu'au 30 juillet, donc il y a seulement quelques jours, plus de 20 voyages. C'est un avion d'affaires, c'est pas un avion médicalisé. Vous voyez comment le régime de Sassou est un régime menteur et manipulateur. Ils vous disent que non, ben ils ont amené un jet médicalisé. Ce n'est pas un jet médicalisé. C'est un avion business d'affaires. Il a embarqué le général Mokoko. Et là, vous venez de voir là, le GPS de l'avion, le tracking de l'avion a été éteint à partir de Nairobi. À partir de, comment déjà on l'appelle, de la deuxième ville de Nairobi. Loyangala. Loi Yangalani. Yoi Langalani. Voilà, c'est ça la ville. Loi Yangalani, Kenya. Donc, l'avion est parti à 18h29 minutes à Nairobi, Kenya. Donc, éventuellement, Jomo Kenyatta, l'aéroport Jomo Kenyatta. Et ça a encore atterri au Kenya même. Hein, au Kenya même, dans une autre ville qu'on appelle ici Loi Yangalani, Kenya, à 18h54 minutes. Et depuis, il n'y a aucune information sur cet avion. Aucune information. On va encore essayer de traquer l'avion tard, puisque nous ici, nous sommes encore à 18h, quasiment 18h, donc il est 17h54. Nous allons encore attendre une heure de temps
pour traquer, pour chercher à savoir où est parti cet avion. Mais ce n'est pas un jet médicalisé. C'est ce que nous tenons à dire au peuple congolais. Ce n'est pas un jet médicalisé. Ça, c'est un malade mental. Donc, un homme qui est dans ces conditions-là, qu'on nous a monté l'ambulance, puisqu'ils ont même dit que personne ne pouvait filmer. Mais lesquels ont filmé? Ce sont les mêmes militaires de Sassou, non? Ils ont filmé ça, non? C'est eux qui filmaient, là. Donc, quelque part, même eux-mêmes, les militaires, là, ils ne sont pas contents de cette situation. Oui, c'est ça. Donc, ce n'est pas un diète médicalisé, chers amis. On vous le répète. On vous le dit. Donc, il a frété un diète d'affaires pour venir prendre un homme qui est très malade. Mais ça vous donne déjà tous les signaux. Et pourquoi Sassou demande au pilote d'arrêter le tracking de l'avion? Parce que ces systèmes-là ne trompent pas. Ah, mais nous sommes là, c'est pour vous donner. On ne ment pas. Tout le monde peut aller regarder. Hein? Tout le monde peut aller regarder. Tout le monde peut regarder ça. Tout le monde peut traquer n'importe quel vol. C'est ce qui est bien en Occident. Vous voyez? Donc Sassou vient chercher le général Mokoko avec un avion d'affaires pour l'emmener je sais où. On va encore vous revenir si on a d'autres informations. Mais pour le moment, il est 17h55 minutes d'après-midi ici à Toronto, au Canada. Nous n'avons pas d'autres informations, si ce n'est que le trajet Nairobi à Loyangalani, qui est toujours au Kenya. Donc on peut une distance, une très courte distance. On peut simplement dire quasiment de 20 et quelques minutes hein, entre Nairobi et cette ville du Kenya. Là où l'avion a atterri, et jusqu'à maintenant, on n'a pas une autre information. Et quand vous voyez le carnet de vol de cet avion, depuis le 17 juillet 2020 jusqu'au 30, cet avion a déjà effectué plus de 20 voyages, hein, puisque nous avons regardé l'historique de vol avec vous. Hein. Je vais compter, hein, on va compter parce que le système BVT n'a pas envie de se tromper. Hein, on va compter avec vous. On va compter le nombre de voyages que cet avion a réalisé pour simplement ne pas s'embrouiller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19. Je clique ça, 19 ici. Oh, qu'est-ce que j'ai fait là? Ouais, j'ai cliqué à 19, non? Ouais, je suis à 19, ouais. Ouais, 19, 19, 19. Voilà, 19. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 37e voyage depuis la date de 17. 37e voyage. Cet avion a déjà réalisé. Ce n'est pas une jet médicalisée. C'est un avion d'affaires. Ah, chose. Et c'est une honte pour Sassou. Si tu fais affréter des jets médicalisés, des Falcons, pour venir chercher ta femme Thibauta, là au Congo, pour l'emmener au Bourget, en France, avec les fonds du contribuable congolais, tes parents, tes neveux, des jets médicalisés, dans des conditions, et Moukoko, tu l'emmènes dans un avion de passagers, enfin. Dans cet état-là. Donc on peut considérer que Mokoko a été déposé quelque part, on ne sait pas encore. Aucune suite. Mais on continue de suivre. Mais déjà, le peuple congolais, vous êtes averti en temps réel. Donc, depuis l'arrivée de Nairobi, on n'a aucune trace de cet avion. Nous pensons qu'en Afrique, il est déjà quelle heure là? Il est déjà minuit, puis bientôt minuit, on dirait. Hein, au Congo. Aucune trace.
Aucune trace. On va continuer de suivre le cahier de vol de cet avion. On va revenir. On va vous revenir. Donc c'est triste. Sassou, honte à toi. Mais souviens-toi le karma que je viens de te dire. Le karma est naturel. C'est la nature qui frappe. Ce ne sont pas même pas des Congolais qui seront là. C'est naturel le karma. Le karma va frapper. Donc quelqu'un est malade comme ça, tu l'emmènes. Peuple congolais, on continue de traquer. On continue, on va vous informer si jamais il y a des changements. Allez, passez une bonne nuit.